Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de podcast Tricot. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets terminés, j'en ai un. De mes projets en cours, j'en ai deux. De mes futurs projets, il va y avoir une nouvelle rubrique à propos des tests. Et à la fin du podcast, je vous parlerai du concours. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier projet terminé. Donc c'est le Helios que voici. Donc c'est un modèle de Béatrice en collaboration avec Thibaut de la chaîne YouTube Tricostérone, pardon. Donc c'est un modèle que j'ai fait, un modèle bébé, la taille 18 mois. Donc la particularité, ce sont les mailles glissées ici, qui forment comme des rayons du soleil. En fait, c'est pour ça qu'il s'appelle Helios. En fait, quand on le prend comme ça, ça fait le rond du soleil avec les rayons du soleil. Enfin, c'est moi qui l'interprète comme ça après. Voilà, donc ça c'est le devant. Ça c'est le dos avec une petite ouverture. C'est toujours un peu difficile de leur passer la tête aux enfants. Souvent les cols, ils sont un peu trop serrés. Donc là, comme ça, c'est pour faciliter. Après, vous avez un détail sur le côté. Ici. Voilà. Plus les côtes torse un peu décalées. Alors, je ne sais pas si elles ont un nom particulier. Hop, voilà, je trouve ça très très joli. Donc, il y en a qui commencent ici, il y en a qui commencent plus bas. Je trouve ça très très beau. Il était très facile à faire. Donc, je l'ai fait en aiguille 4,5. La seule chose, je ne sais pas si ça se voit, je vais arrêter de bouger peut-être dans tous les sens, entre le corps et les manches, ça se voit quand même un peu, hein, c'est que les manches elles sont faites en aiguille 4 et le corps en aiguille 4,5, je me suis trompée. Et du coup, comme la première manche était faite, quand je me suis rendu compte, j'ai laissé comme ça, j'ai fait pareil à la deuxième manche. Voilà. Donc c'est un pull, c'est quoi cette couleur? Un pull qu'on tricote en top-down, donc du haut vers le bas, avec une encolure yoke et des augmentations, donc avec beaucoup d'augmentations sur certains rangs. Après, on sépare le corps et les manches, on reprend le corps, on finit le corps et on monte un certain nombre de mailles pour les manches. Et on fait un rond, mais là pour le coup en magic loop. Voilà pour mon raccord de manche. Il y en a toujours un que je réussis mieux que l'autre. Sur les modèles bébés, je les réussis moins bien aussi souvent. J'ai oublié de rentrer un petit fil, c'est rien. Enfin, il est déjà rentré, j'ai oublié de le couper en fait. Voilà, donc la laine, c'est... C'est toujours la même, c'est le textile de la marque, la qualité ça va. Et le coloris c'est fauve. Voilà, ça je l'ai fait, c'est un projet assez rapide, en une dizaine de jours il était fait. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de ça. Ah oui, les côtes sont faites en 3,5 et le rabattage, c'est le rabattage super élastique de Jenny. Voilà, on va l'appeler comme ça parce que je ne sais pas le dire autrement. Pareil pour les manches, mais je ne fais plus que celui-là en fait maintenant. Et par contre, je le fais comme a fait Béatrice au crochet. Parce que moi, je le faisais aux aiguilles. Et ça faisait quelque chose qui gondolait. Je ne pensais pas qu'en le faisant au crochet, ça allait rendre quelque chose de plus régulier qu'à l'aiguille. Je pensais que c'était la même chose. Mais en fait, oui, en faisant le rabat au crochet, eh bien, c'est plus régulier, ça gondole moins. Donc voilà. Non, j'utilise plus que celui-ci. Alors, voilà pour ce projet. Alors, j'ai pas d'autres projets terminés. J'ai un en cours. C'est le Archange Sweater donc de Béatrice. Juste pour le projet terminé, donc pour Helios, il est actuellement en test. N'hésitez pas à aller sur le blog de Béatrice pour voir les tests qu'il y a. Et celui-ci, vous le trouverez. Ou n'hésitez pas à la contacter si jamais.
Donc, voilà, c'est bon, j'ai fini. Donc pour le prochain en cours, c'est le archange Twitter. Je ne sais pas si vous aviez vu le bonnet archange. Donc c'est le même motif, plus deux autres motifs en fait. Le voici, j'en suis à là. Vous avez sur le côté, sur chaque côté, des côtes de torse. Sais pas si j'arrive à bien vous les montrer. Voilà, deux côtes de torse. J'ai fait la version. Je sais pas si j'ai fait du bruit dans le micro, pardon. J'ai fait la version cintrée. Donc il y a des diminutions au niveau du corps. Voilà, je vais vous l'enfiler, après je vous en parle un peu plus. Donc voilà, c'est pratique les trous dans la dentelle pour le micro. Donc pour vous montrer, voilà, il m'arrive là, le dos. Voilà, alors le seul souci, c'est que l'encolure, elle arrive vachement bas. C'est-à-dire que quand je lève les bras, quand je bouge, voilà, ça fait ça. Derrière, ça gondole ici. Là, il est bloqué, hein. Donc, du coup, je vais le défaire parce que ça, je suis pas bien libre de mes mouvements. Sinon, j'adore comment il tombait finalement. J'adore le motif, mais le problème, c'est vraiment l'encolure qui est trop basse. Parce que vous voyez, si je fais ça, après, faut toujours que je le remette en place. Bon, je passe pas ma journée à faire ça non plus, mais il suffit juste que, je sais pas, je tends quelque chose à quelqu'un, je vais attraper quelque chose. Enfin bref, on bouge, donc de toute manière, voilà, je veux dire, je reste pas immobile toute la journée, donc du coup, ça va pas aller, je le sais, c'est comme ça, donc du coup, je vais le défaire, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Et je vais le refaire, du coup, elle a fait les modifications, donc je vais le refaire avec les modifications. Alors, je l'enlève et je reviens. Donc, voilà. Pour vous parler un peu plus du modèle, alors c'était la taille M que j'ai fait, je sais pas si je vous l'ai dit. La taille M. Alors, par contre, là, j'ai fait des côtes, je sais plus sur combien de centimètres, je crois que c'était 5 ou même un peu moins. Parce que sinon, il allait être vraiment, vraiment trop long. Mais il est prévu pour avoir quand même des côtes assez longues, des côtes de 7 cm aux manches et au bas du pull. Et c'est donc un pull qui se tricote du haut vers le bas. Donc en yoke, avec des augmentations drastiques sur certains rangs en fait. Hein. Voilà, et vous avez plusieurs sections. Donc de côté torse, là, avec les trous-trous. Donc ça c'est une section, ça c'est une section, et ça c'est une autre. Après en fonction des tailles, il y en a plus ou moins. Et c'est sur la fin de ces rangs-là qu'on fait les augmentations. Voilà. Évidemment, oui, donc au départ on démaille les côtes de torse. Et on fait les fameux rangs raccourcis, que là justement il y en a un peu trop. Là j'ai essayé de faire de glisser ma maille pour pas qu'on voit de décalage. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il n'y a pas de décalage, mais je pense que je dois avoir une maille en trop que j'ai diminuée. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de décalage, mais c'est juste que j'ai fait une diminution au-dessus. Voilà. Donc pour le fil, c'était la Lima de Drops que m'a fait découvrir Béatrice. Elle est vraiment super agréable à tricoter de chez Drops, pardon. Pour le moment, c'est ma préférée. Vraiment, elle est douce et elle est très agréable à tricoter. Je la préfère même à la Charisma. Donc voilà, et là c'est le coloris pistache. Pour le numéro de coloris, je ne sais pas. Mais si jamais vous voulez le numéro, vous me le demandez, je vous le donne, il n'y a pas de souci. Après, n'hésitez pas à aller voir mes fiches Ravelry, je les remplis normalement. Si je fais une modification, je le note. Et puis si je fais rien, mais je note rien, du coup, c'est qu'il n'y a pas eu de soucis, de changement ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous rappelle aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo,
Mais tous les tests de Béatrice, je les mets en story permanente, tous les tests que je fais. Et donc, j'ai tricoté le corps en 4 et les côtes en 3,5. Voilà. J'adore vraiment ce motif de dentelle, il est très très beau. Donc, j'ai hâte d'avoir ce pull. Bon, j'ai pas trop hâte de le défaire, mais bon, c'est comme ça. Donnez-moi quand même votre avis, ce que vous en pensez. Mais bon, moi je pense vraiment qu'il baille trop. Bon, de toute manière, même si vous me dites ne le défaites pas, je vais le défaire quand même. Mais de toute manière, je vais pas le remonter tout de suite. J'ai des choses à finir avant. Et puis, j'ai envie de me faire un petit projet avant, comme ça, histoire de se remotiver. Mais je vais le refaire, ça c'est sûr, après le modèle que je vais vous montrer. Voilà, donc celui-là, c'est terminé. Et le deuxième projet, le deuxième et le dernier, projet en cours, c'est le Pythagore. C'est le fameux petit projet. Hop, donc en 18 mois. Donc c'est Pythagore. Voilà, j'en suis là pour le moment. Là, vous avez un motif damier point doré. Voilà. Et là, c'est des motifs triangle. En fait, voilà, c'est la particularité, c'est des motifs un peu géométriques. Désolée pour la couleur que ça fait. Voilà. Donc là, il y a encore une section que je vais faire de cette couleur-là. Et après, c'est le corps, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc le corps que je ferai tout en vert avec les manches. Par contre, je ne vais pas faire de rappel comme prévu aux manches parce que j'aurais tout simplement pas assez de laine. C'est simplement pour ça que je ne le fais pas. Donc la laine, pour vous en parler, c'est de là. C'est de la laine de ma grand-mère. Alors, j'ai pas toutes les étiquettes. Pour la verte, c'est de là. Les trois Suisses. Un réseau. Et c'est les trois Suisses. Et je préconise de le tricoter en 2,5-3. Je tricote en 3,5. C'est de la 75% viscose, 25% fibre acrylique. Voilà. Hop. Et après, voilà, les deux autres. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas de. C'est celle-ci. Voilà, vous avez la bonne couleur. Et celle-là. Ça, vous voyez, voilà, qui est tweedé. En plus, je trouve ça super sympa parce qu'elle est tweedée avec du jaune et du vert et c'est ce qu'on retrouve dans le pull. Donc, c'est parfait. Voilà. Voilà pour ce projet-là. C'est du coup un top-down encore en yoke. Donc, toujours pareil, on augmente sur certains rangs drastiquement. Après, vous avez donc les motifs dont je vous ai parlé. Vous avez donc les motifs triangle, les motifs damier point de riz, les motifs point de clé, mais c'est celui qu'il faut que je fasse là, que je n'ai pas encore fait. Alors, par contre, la seule chose où j'ai un souci, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un souci, mais quand j'ai fait mon échantillon, je l'ai bloqué. Et la verte, elle a beaucoup, beaucoup d'étain, mais vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je l'avais laissé longtemps. Hein. Dans le bain, mais alors elle était verte foncée. J'espère que ça va pas déteindre sur ça. Je pense que je vais jouer la sécurité. Je vais prendre une lingette décolorante. Je sais pas si ça fonctionne bien. J'ai jamais utilisé ça. Donc on verra bien. Là, c'est pareil. Il y a la petite ouverture. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, il est également en test. Pareil pour Archange, je ne l'ai pas dit, je crois, mais il y a mon test. Mais comme je vous ai dit pour Helios, allez sur le blog et vous trouverez. Pythagore, il n'y est pas, il faut lui demander. Mais Archange, il y est. Et c'est un test gratuit, j'ai oublié de vous le préciser. C'est un peu décousu, désolé. Pourtant, je me suis organisée, je me suis fait mes fiches et tout, mais bon, j'arrive jamais à faire comme il faut, c'est pas grave. Archange, il est gratuit. C'est un donc, test du coup. Le PDF, vous pouvez le télécharger gratuitement. Pas besoin de lui demander. Vous l'avez directement sur son blog que je vous mettrai en barre d'infos. Et par contre, les autres, il faut lui dire que vous voulez faire le test. Et à ce moment-là, il vous envoie tout ce qu'il faut. Voilà, donc celui-là, par contre, il faut la contacter effectivement. Il n'y est pas.
Donc ça, c'est bon pour ça. Alors, du coup, là, on a fini pour les projets en cours, les projets terminés. Je vais vous parler d'un test que j'ai fait. C'est plutôt un essai, pas un test, parce qu'il ne faut pas confondre avec les tests de Béatrice, c'est un essai. Voilà, je me suis essayée à faire quelque chose. Voilà. J'ai essayé le stick, en fait, sur un ancien échantillon que j'avais. Ça m'intriguait, et le fait de pouvoir tricoter en rond, même s'il n'y a pas forcément de jacquard, mais de tricoter en rond un gilet, ça m'intéresse quand même pas mal. Donc voilà mon test. Mon échantillon. Bon, là il y a un trou, mais c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je l'ai fait au crochet. Donc bon, j'ai enlevé les côtes que j'avais fait normalement. Voilà, ça se retourne comme ça. Et on relève les mailles, et puis vous avez les côtes ici à main. Hein, du coup, on voit rien. Et là, j'ai un trou parce qu'en fait, j'ai voulu voir si vraiment c'était bien sécurisé. Et oui, effectivement, il a fallu que j'aille chercher vraiment le fil à l'intérieur du fil orange pour le sortir et pour que ça se défasse. Donc, à la limite, enfin, en plus de ça, un point de couture en zigzag que je fais faire ou que j'essaye de faire, ça doit pas être compliqué parce que je suis nulle en couture, mais bon. Mais voilà, il a vraiment fallu que j'aille la chercher le fil pour qu'il se défasse. Donc, même ça tout seul, je pense que ça peut le faire. Mais bon, le jour où je le fais, je vais quand même sécuriser. Je vais faire les deux. J'ai trop peur que ça se défasse après. Donc je suis super content. Après, la question que je me pose, c'est pour sur une encolure plus large du gilet, est-ce que ça peut fonctionner en faisant un stick? Oui, il faut le faire juste plus tard, je pense. Oui. Quand on rejoint un rang, je pense. Oui, il faudra que j'essaye. Voilà. Oui, je pense que ça peut se faire facilement. Voilà, donc maintenant on va passer au futur projet. Donc il y a un futur projet qui n'était pas prévu et qui s'est un peu imposé là dernièrement. C'est pour mon compagnon. Et du coup, c'est un pull de Nathalie Meredith. C'est un pull Star Wars, en fait. Je vous mettrai une photo en jacquard et à tricoter du bas vers le haut. Ce que j'aime pas du tout. Et en plus, il y a des coutures au niveau du raglan. Donc, deuxième difficulté. Je ne sais pas si je vais y arriver. On verra bien. On verra bien. Et donc du coup la laine on l'a commandée sur eBay, c'est de la 50 du textile de la marque, coloris fauve et marron chocolat. Parce qu'il y a une partie, mais vous comprendrez parce que je vous mets la photo, c'est bicolore déjà et puis il y a du jacquard sur les deux parties. Mais bon, je suis un peu stressée sur ce modèle parce qu'à chaque fois que j'ai fait des choses, ça réussit pas, il y a toujours un souci. Je veux tellement réussir pour qu'il soit content. Bon. À chaque... Et oui, il y a quand même eu, on va pas être mauvais, il y a quand même eu un bonnet qu'il met, qu'il est content d'avoir. Mais sinon, je lui ai fait une écharpe qu'il met jamais en même temps. Et elle roulotte, ça va pas du tout, quoi. Après, il y a des chaussettes que je lui ai faites avec la baby merino qui s'élargit, qui a du mal à passer les talons, donc il les met jamais non plus. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre? Je crois que c'est tout après. Après, je n'ai jamais trop proposé non plus, donc je comprends qu'il me demande, enfin qu'il a envie que je lui tricote quelque chose. Mais voilà, du coup, moi, ça met l'impression à chaque fois, c'est quelque chose de précis. Il a arrêté sur la chose et puis c'est jamais quelque chose de simple. Enfin, c'est un défi, on va le prendre comme un défi. J'espère qu'on ne va pas le louper. C'est surtout ça qui me fait peur. C'est pas grave. Si j'arrive pas, on trouvera autre chose. C'est pas grave. Donc voilà. Pour le premier futur projet. Et le deuxième, ça va être le Pythagore, le même que je vous ai montré, en 6 mois. Et avec la laine, là, je l'ai là par contre, que j'ai acheté à Centracor. C'est de la laine Schachenmayr, je sais pas comment on le dit. Voilà, original, la qualité. Et c'est 55% laine et 45% acrylique. 50 grammes, 125 mètres. Voilà, avec ces deux couleurs-là. Donc, je vais faire une version bicolore. Là, la première, c'était tricolore. Et là, ça sera du bicolore. Voilà. Voilà pour ça.
Et donc là, toujours de Béatrice, évidemment, hein, le modèle Cordelia Vore. Et toujours en test, évidemment. Voilà, donc c'est tout pour ça. Maintenant, on va passer à la nouvelle rubrique. Donc la météo des tests, c'est la nouvelle rubrique où je vous parlerai des tests de Béatrice alias Cordelia Vore. Donc je vous parlerai des actualités. Donc généralement je vous parlerai de un ou deux tests. Aujourd'hui ça va être deux tests que j'ai prévu de vous parler. Après je vous parlerai peut-être des fois de sorties. Ça dépendra en fait comment ça tombe, comme je fais un podcast par mois. Mais oui, généralement, ce sera un ou deux tests dont je vous parlerai avec les versions des testeuses que je vous mettrai en photo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Chloris et de Oxford. Pardon. Alors, donc Chloris, c'est un. Donc ce sont deux gilets, hein, Chloris et Oxford. Donc Chloris, c'est un gilet que je compte bien faire un jour. Je ne sais pas quand avec tout ce que j'ai envie de faire. Mais j'avais voulu le tester et j'avais commencé à le tester, mais ce n'était pas le moment de le faire, je pense. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent. La laine n'allait pas, enfin bref. Et donc c'est sûr que je le ferai, c'est vraiment mon coup de cœur et je le trouve très très beau. Donc c'est un gilet qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas, avec des motifs de dentelle et de torsade au niveau des demi-devants et du dos. Et également il y a un rappel sur les manches, je crois. Je ne suis pas sûre, le rappel manche à confirmer. Il y a donc des côtes torses, toujours des côtes torses avec Béatrice. C'est ça qu'on aime. Donc au niveau du col, il y a des rangs raccourcis pour rehausser le dos et également donc des boutonnières. Après ça, c'est à vous de voir si vous voulez les faire ou pas. Donc je vais vous mettre les photos des versions, des différentes versions des testeuses. Je vais vous les mettre en incrustation. Du coup, parce qu'après, vous avez la version de Sophie, des trichomaniaques en flora de Drops. Alors le coloris, je ne me souviens pas. Si jamais allez voir sur son podcast, vous aurez plus de renseignements ou peut-être sur Ravelry, je ne sais pas si elle a mis à jour. Mais en tout cas, dans son dernier podcast, elle en parle. Une très belle version, je le trouve très très jolie. Après, vous avez également la version pardon, Rebecca alias Becky Wool sur Instagram. En R de Drops cette fois-ci, et elle a fait une version plus courte, plus quelque chose à porter sur une robe, plus de ce style-là. Donc c'est sympa de voir les différentes versions de chacune. Et ensuite, il y a également aussi la version de Géraldine, des fils et des aiguilles sur Instagram, qu'elle a fait elle en j'arrive pas à le dire, en Holzgarn, super soft. Et elle a fait une modification au niveau des manches, elle a fait des diminutions drastiques, du coup ça fait une manche un peu ballon. Et elle n'a pas fait. Elle a commencé directement tout de suite après les côtes, le motif. Normalement, il y a justement des rangs raccourcis. Elle a commencé directement après. Voilà, donc je vous mettrai les photos des différentes testeuses avec leur nom et tout. J'ai fait un petit montage, j'espère que ça vous plaira. La sortie est prévue dans le mois, donc il n'est plus en test. Oui, et Chloris, en fait, dans la mythologie grecque, c'était une nymphe d'une grande beauté, donc c'est un peu pour le côté romantique, délicat du modèle. Voilà, donc ça c'est prévu dans le mois. Voilà pour ce modèle-là, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc on va passer au test suivant, au modèle suivant, le Oxford. Alors, le gilet Oxford, c'est un gilet qui est très très beau aussi.
pardon, avec des motifs texturés, en maille glissée qui forment des losanges. Et aussi, je vous mettrai des photos. Et là, ça va être la version de Nati Lali, alias Atricoté, ou Atricote, je sais pas comment on le prononce, sur Instagram. Pour l'instant, je n'ai que sa version à elle. Il y en a d'autres qui sont en train d'être montées. J'ai vu quelques photos, mais qui ne sont pas encore finies. Mais pour comme ça, pour que vous puissiez bien vous rendre compte, c'est bien d'avoir un modèle fini que je puisse vous montrer. Donc, il y a un rappel au niveau du dos, des manches tout le long des manches. Après, voilà, ça va être la même construction, c'est-à-dire que ça va être un top-down. Il y a des rangs raccourcis, il y a une boutonnière. Et des côtes torse, toujours, toujours. C'est la signature. Et donc, oui. Voilà, donc je vous mettrai également des photos. Elle l'a tricotée en malabrigo. Désolée, je lis mes notes, mais en même temps, c'est pas moi qui ai tricoté, donc je le sais pas par cœur. Hein. Donc, elle a tricoté en malabrigo arroyo, couleur cirrus et regatta blue. C'est en déca. Voilà. Donc, il s'appelle Oxford, pardon, parce que c'est plus le côté britannique, le côté un peu chic. Voilà. Il est vraiment très très beau. Les deux sont très beaux. Donc, par contre, celui-ci est toujours en test. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter. Je ne sais plus s'il est sur le blog. Je crois que oui. Mais si vous ne le voyez pas, de toute manière, sur le blog, contactez Béatrice sur Instagram ou Ravelry. Voilà. Donc, c'est tout pour la météo des tests aujourd'hui. Ça aurait été assez rapide. Dites-moi en commentaire si cette nouvelle rubrique vous plaît, si elle ne vous plaît pas, si vous aurez préféré plutôt comme ci, plutôt comme ça, si elle est trop courte, si vous préférez que j'ajoute des choses. Vraiment, j'aimerais bien avoir vos retours, s'il vous plaît, à ce niveau-là. Voilà. Donc si vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce serait sympa. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière rubrique. Enfin, c'est le concours que j'organise, que je vous avais dit dans le dernier podcast, que j'attendais d'avoir les 500 abonnés pour faire mon concours. Bon, on ne les a pas atteints, on est à 473, mais c'est déjà énorme. Donc je compte le lancer maintenant, même si on les a pas atteints, c'est pas grave. Je suis déjà super contente. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Donc je vais vous montrer les lots que je vais vous proposer. Donc je vous les avais déjà montrés, je vous les remontre pour vous rafraîchir la mémoire. Donc voilà, c'est de la laine Nord de Drops que j'ai teinte. Exactement la bonne couleur, hein. C'est vraiment plus miel caramel. Je sais pas comment vous la montrer pour que vous ayez la bonne couleur. Bon, enfin, on va pas y passer la nuit. Voilà, celle-là c'est encore de la Nord de Drops. Celle-là c'est encore de la Nord de Drops que j'ai teinte. Et celle-là par contre c'est de la Baby Merino. Voilà, donc je compte vous offrir ça. Plus le patron de Coriolis. Je vous mettrai une photo que j'ai déjà testée, dont je vous ai déjà parlé. Il y a une vidéo dédiée, si jamais. Donc le patron de Coriolis, quand il sortira, la sortie est prévue dans le mois. Donc voilà. Donc je vous offre également ce patron. Bien entendu, les testeurs qui ont déjà testé Coriolis, si vous êtes tiré au sort, ben vous gagnerez par contre le lot de laine. Mais je remettrai en jeu le patron. Voilà. Donc mettez-moi en commentaire, donc je participe. Et ce que vous ferez, quelle laine vous utiliseriez pour faire Coriolis, et si ça tombe sur un testeur, ce que vous feriez avec cette laine. Voilà. Après, si vous n'avez pas d'idée, vous me dites juste je participe et ça compte. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai oublié, je ferai le tirage au sort, je pense, d'ici une quinzaine de jours. 15 jours, 3 semaines. Soit je fais 15 jours, 3 semaines, soit au prochain podcast, je fais le tirage au sort. Je vais réfléchir à ça.
maximum au prochain podcast, de toute manière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la nouvelle rubrique aussi. J'espère vous revoir bientôt. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.